Il faut comprendre que les politiques menées par l'exécutif sont alimentées par la volonté inébranlable d'améliorer l'accès de la population aux services de proximité. Et les collectivités territoriales sont justement les premiers acteurs du territoire capables de répondre efficacement à ces besoins. En cet instant où nous envisageons une réforme en profondeur de nos institutions, je souhaite rappeler que la décentralisation ne peut être considérée comme une finalité en soi. Elle est d'abord et avant tout un moyen, un mode d'organisation et de répartition des pouvoirs utilisé par l'État pour développer son territoire et assurer la participation des citoyens à la gestion de la chose publique. Or, les défis qui se présentent à nous sont immenses et appellent à une action résolue et concertée. N'oublions pas que confrontés à une demande accrue et pressante de services locaux de proximité, et cités comme étant les acteurs essentiels du développement, les collectivités territoriales sont malheureusement assez souvent spectatrices des actions engagées sur leur territoire. Il faut se rappeler que derrière la gestion du territoire, il y a des salaires, des investissements, du matériel et tant d'autres dépenses que les collectivités territoriales doivent pouvoir supporter et financer. Pour adresser ces enjeux, le ministère, sous ma directive, s'est engagé sur trois grands chantiers de réforme visant à renforcer durablement les collectivités territoriales et à accompagner le processus de décentralisation. Tout d'abord, une réforme institutionnelle visant à clarifier le cadre de gestion des collectivités territoriales, une réforme financière visant à établir l'autonomie financière des collectivités, et enfin une réforme de la fonction publique territoriale visant à doter les collectivités territoriales de personnel stable et qualifié au service de la population locale. Partie intégrante de la réforme institutionnelle des collectivités territoriales, la réforme de l'intercommunalité répond à l'impérieuse nécessité de définir des modalités innovantes pour une exploitation stratégique des moyens et des ressources locales disponibles, mais également pour accompagner l'évolution des dynamiques territoriales liées à l'urbanisation croissante que connaissent actuellement nos bourgs.